J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un retour de course. Donc mes courses, j'ai fait à Carrefour. J'en ai eu à peu près 75 € pour la semaine. Et pourquoi pas vous donner aussi mon menu de la semaine. Donc on va commencer par le frais. J'ai pris des pavés de saumon comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris en frais. Alors, on continue en frais. J'ai pris des grecs à la pêche. Donc, comme ça, à la pêche. Il y en a 4 dedans. Ensuite, j'ai pris des liégeois pommes abricots. Donc, voilà. Là, on a des liégeois pommes framboises. Ensuite, j'ai pris des yaourts grecs. Donc, c'est voilà, au chocolat, comme ça. Ensuite, en frais, donc j'ai pris seulement 2 bouteilles de lait entier. Voilà, c'est pour mes desserts. Ensuite, j'ai pris, hop là, un yop, comme ça. Donc, c'est aux fraises. Non, fraises, bananes. Donc, voilà. Ensuite, là, il y a des petits yop comme ça, saveur vanille et fraises. Alors, en frais, j'ai pris du fromage comme ça, 2 sachets. Donc, là. Aux 3 fromages, donc il y a l'emmental, de la mozza et gouda. Ensuite, en frais, donc comme c'est prévu de faire une raclette, donc j'ai pris du fromage pour la raclette, alors au poivre. Ensuite, là, on a fumé. Donc fumé, j'ai jamais, on n'a jamais testé, on va goûter. Donc voilà, sans croûte. Ensuite, on a pris du salami, donc voilà, de dinde. Pour la raclette et on a pris aussi des petites tranches comme ça. Là, je dis tiens, bon, il y a tout, bon, on va pas à la boucherie, mais bon, d'habitude je prends à la boucherie, mais bon là. Ensuite, j'ai pris du cumin. Voilà, il m'en fallait, j'en avais plus, du cumin cuisiné, bien évidemment. J'ai pris des lentilles comme ça, corail. Voilà, super bon. J'ai pris un sachet, un filet de tomates. Ça, c'est pour faire mes légumes. Alors là, on a des oignons, donc un filet d'oignons. Là, j'ai un sac de pommes de terre. Attends, hop, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est plus pour le four, c'est pour mon gratin de légumes. Voilà, donc là, on a un sac de pommes de terre pour la raclette. Ensuite, j'ai pris des tagliatelles, donc voilà, panzani, pour faire avec mon saumon, avec du saumon. Ensuite, donc là, c'est ma grande qui a pris des nouilles. J'ai jamais goûté, franchement, j'ai hâte de tester. On va goûter. Elle a l'habitude de prendre ça, donc elle a pris des nouilles. C'est ça. Ensuite, on a pris du thon, donc du thon à l'huile de tournesol. Ça, c'est plus pour les pizzas. Et je me suis pris aussi, on a pris du thon à la tomate. Voilà. Ensuite, là, on a quoi? Alors là, c'est comme de la mozza, donc de la burrata. Moi, j'aime pas trop ça, mais ma grande, elle aime bien ça. Moi, je préfère la mozza. Donc voilà, je trouve que c'est, enfin, je crois que ça, c'est le meilleur, je sais pas. Mais c'est un peu fort, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petites boîtes comme ça de double concentré de tomates. Donc ça, c'est pour les pâtes. Ensuite, là, on a la sauce. La sauce multipolpa, donc voilà, c'est la meilleure sauce, franchement celle-là. Et cette sauce, j'utilise pour faire ma sauce de pizza. Franchement, trop trop bon. Voilà. Alors j'ai pris là de la crème entière, donc voilà, pour faire des desserts. Ensuite, donc c'est juste seulement un petit retour de course, hein. Donc là, on a du café d'Augusto. Donc là, c'est du café au lait. Ensuite, là, on a l'expresso, donc voilà. Tac, tac. Ensuite, là, c'est du récoré latté. Donc, franchement, j'ai goûté, j'ai aimé. D'habitude, je prends du récoré, mais là, il est latté et il est super bon. Je prends ça le matin. Tac. Alors, ouf. Alors, on va mettre ça là. Et là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, là, on a du myrrhe. Voilà, j'ai pris du myrrhe. Et là, on a du produit comme ça pour le sol, donc Ajax. J'ai senti, franchement, c'est trop trop bon. C'est des fleurs.
avec huile essentielle. Donc voilà, j'ai pris celui-là pour changer. D'habitude, je prends le bleu. Il est bien aussi, le bleu. Ensuite, j'ai pris... je regarde. J'ai pris du coton. On a toujours besoin. Donc voilà, je crois... Ah non, j'ai oublié. J'ai pris du beurre pour le petit déjeuner. Donc voilà, normalement, c'est tout pour le retour de course. Et je me suis pris... on s'est pris des petites... comment on appelle ça? C'est des petits gratins de quinoa préparés. Comme là, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de cuisiner. Donc, on s'est pris des petits, donc voilà, des petites barquettes. Franchement, voilà, on va chauffer ça et puis on va manger. Donc, voilà. Alors, on va passer au menu de la semaine. Donc, alors, on fait de la place. Menu de la semaine. Donc, lundi, ça sera des tagliatelles au saumon. Voilà. Mardi, ça va être des triangles de légumes. C'est en fait comme un gratin de légumes. Et j'avais déjà partagé ça dans une de mes vidéos, mais il y a bien longtemps. Donc c'est super bon. Mercredi, alors, lasagne avec des épinards. Moi j'aime bien rajouter des épinards, ça donne un bon goût. C'est très très bon. Ensuite, voilà, jeudi. Ouais, jeudi. Je vais faire des lentilles corail à la provençale. Ça aussi, j'avais déjà partagé cette recette, c'est trop trop bon. Ensuite, vendredi, ça va être des pizzas, bien sûr, maison. Hein. Voilà, vendredi soir, ça va être des pizzas maison. Je vais les faire juste au thon et voilà. Et je vais utiliser cette sauce-là. Franchement, c'est super bon. Je vais mettre de l'huile d'olive, voilà, etc. Ensuite, samedi, ben, ça va être raclette. Hein. On en profite, il fait encore froid. Voilà. Dimanche soir, ça va être une soupe, donc c'est de la harira avec des briques. À la viande hachée. Et quand j'ai ouais, et là j'ai oublié les feuilles de brique, mais c'est pas bien grave, j'irai en acheter. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous faire montrer. En fait, je suis passée à Yves Rocher. Donc voilà, je me suis pris un parfum. Donc voilà, c'est Evidence, la marque. Voilà, il était à moi 50%. Je crois que je l'ai payé 28 €. Donc je me suis pris ça. Ensuite, je me suis pris un fond de teint lumineux. Donc voilà, celui-là aussi il était à moi 50%. Je sais plus exactement combien je l'ai payé. Donc je me suis pris ce fond de teint. Alors, et en cadeau, ils m'ont offert ce petit masque. Donc voilà, on va tester. Donc voilà. Et combien j'ai payé tout ça, je vais vous dire. J'ai payé le fond de teint, il était à 15 €. Et le parfum, donc c'est 28 €. Et voilà, et j'en ai eu pour 39,10 €. Voilà, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!